want to get old. Under corporate control, play a fraudulent role. Let them torture your soul. Only talk when you're told. Doubt the dogs will blame you when the coffee gets cold. Time to alter your goal. Tell them you quit, of course the shit's cold, but you only got one life. I'm the fork in your road, so follow me, please. Stop the toss in your phone, and don't worry about cheese. Or the cost of your loan, off we go. Bye bye, your 9 to 5. You can change your name to Bonnie, I could change mine to Clyde. We won't get any richer, but imagine a bigger picture. There's a bit of bread I've been saving, and I've been. Salut tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, nouveau tutoriel. Je vais vous montrer comment monter sur une ligne haute. Et vous montrer aussi le départ, le Tiongo Stars. Donc, il est utilisé beaucoup pour la long line, high line, très clean, très rarement, mais on peut l'utiliser pour tout. Donc, voilà. C'est parti pour la première étape. Je vais vous montrer comment monter d'abord et ainsi de suite. Parti. C'est parti pour la première étape. Je vais vous montrer comment monter sur une ligne haute d'abord. Et avant tout, d'abord, mettez les matelas si vous n'avez jamais fait de ce type de longue comme ça haute pour votre sécurité, bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est vous mettre vos deux mains ici sur la sangle, d'accord. Ensuite, ça va être du gainage, donc ça va être des abdos beaucoup. Il faut vraiment gainer à ce moment-là, d'accord. C'est vraiment, vous aidez un peu avec la sangle aussi, c'est un peu tard ça déjà. Donc vraiment c'est du gainage. Donc là, vous avez vos deux mains ici. Vous vraiment gainer au début, c'est ok, pour une impulsion, vous commencez à faire ça. Et là à 3, je vais vraiment gainer, à 3, 1, 2... 3. Déjà ça, si vous y arrivez, c'est une bonne chose. Donc toujours vos jambes détendues, il n'y a pas besoin de forcer, c'est question de gainage. Donc vous voyez déjà, il faut vraiment, ok, faut faire ça. Tac. Donc, je vous remontre, d'accord. C'est vraiment, au début, il faut forcer au niveau des bras, tout ça. Il n'y a pas le choix. Donc prenez une bonne inspiration. Tranquillement, prenez le temps. Et là, vous allez partir direct. À 3. J'aurai les mains proches, pas écartées. Vraiment, voilà. Et les rapprocher le plus possible. Donc à 3, c'est parti. Regardez bien. Poussez. Et là, bam. Vous maintenez. Déjà ça, ok. Donc voilà. Donc quand vous savez faire ça maintenant, en fait, là ensuite, c'est le départ du Tiongo Stars. Donc je vais montrer le placement d'abord. Se placer. Regardez bien, vous êtes là. Utiliser comme je dis la sangle pour faire mon effort après. Donc c'est cette jambe là qui va, vous allez pousser d'abord et ensuite mettre sur la sangle, et cette jambe là vous la laissez sur le côté. En gros ça donne ça. Doucement vous montez, tac, vous voyez, et toujours vos deux mains sur la sangle, d'accord. Donc ça vous allez laisser sur la sangle elle, et elle sert d'équilibre, d'accord. Et après, il faut vraiment pivoter ce pied-là. Il faut que le pied soit de travers, le pied ouvert. D'accord? Pivoter. Tac. Vous êtes droit devant vous. Toujours rapprocher votre main là, comme ça. Et là, surtout, ne forcez pas, ça sert à rien. Il faut vraiment être relax. Là, s'il n'y a pas besoin de forcer, quoi. C'est se laisser aller. C'est juste chercher l'équilibre. Et surtout, n'est pas brusque. Il ne faut pas chercher à. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, suivez vos rognards. C'est vraiment tac. Vous pivotez, tac. Votre sécurité. Et là, boum. Pour venir sur le ventre ou comme ça. Et là, vous maintenez. Maintenant, je vais vous expliquer comment partir du Tiongo Stars pour se lever. D'accord? Tout doucement et commencer à marcher juste. Enfin, posez, levez le pied là pour mettre le pied sur la sangle pour se lever. Donc ce que vous faites maintenant, c'est. Vous concentrez, relaxez, vous allez droit devant vous, très important. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, celle-là, ça ne. Voilà, vous restez tranquille. Maintenant, ce que vous allez faire avec cette jambe qui est là-bas ici, vous allez d'abord monter votre genou. Et au moment où vous allez mettre le pied sur la sangle, et bien, vous allez lâcher cette main. Je vais vous montrer, regardez bien. Vous prenez surtout le temps pour ce départ, très important. Prenez le temps. Vous voyez, concentrez-vous. Et là, vous allez monter cette jambe. D'abord, et après vous lâchez la main que j'ai sur la sangle, que je tiens. Donc à 3, regardez bien. Vous avez vu, et là vous restez un peu accroupi. Doucement. Et là,
Comme ça, toujours. Et voilà. Vous pouvez marcher un peu, voilà. Gros. Maintenant, je vais vous montrer comment redescendre de la ligne. Je vous ai fait le départ, tout ça. Je vais vous montrer comment redescendre de la ligne correctement en sécurité. Voilà, maintenant on va descendre de la ligne. Très important, vous allez comme ça vous accroupir doucement. Donc c'est du gainage, pareil. Tout lourd et droit devant vous comme d'habitude. Voilà, ensuite quand vous êtes accroupi, vous allez vous vraiment laisser tomber pour ne pas avoir peur. Et ensuite, vous êtes à votre main, après, tac, voilà. Vous commencez à arriver, je vous remettrai cette main là, celle qui est ici, là. Et on peut ensuite, cette main qui est là, vous la mettez là aussi, pareil. Donc ces jambes qui est celle-là, vous allez la balancer, la passer de l'autre côté de la sangle. C'est simple, toujours vous tenir là. 1, 2, vous avez vu, là. Et voilà. Voilà, c'est pas très compliqué en vrai. Il faut juste oser, voilà, laisser retomber, ne pas avoir peur. Comme elle est haute, en général, ça met un peu de stress, tout ça, mais. Vous faites avec les matelas d'abord, c'est mieux. Et après, vous allez voir, vous serez plus à l'aise. Donc, voilà, c'était la dernière étape du coup. Donc, ce tuto, c'est fini. Donc, sur le départ, tout ce que je vous ai montré, j'espère que ça va vous aider pour cette pratique. Et surtout, faites attention quand mettez des matelas, surtout pour votre sécurité, pour commencer si vous n'avez jamais fait. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels qui arrivent très bientôt encore. J'en ai prévu beaucoup. Donc, voilà. Tchuss tout le monde, ciao!